Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de notre nouveauté. Je vois que j'ai déjà la chance d'avoir beaucoup de monde avec moi, donc je vais prendre deux petites secondes déjà puisque nous sommes aujourd'hui le 30 et j'ai encore le droit de le faire, de vous souhaiter une excellente année 2024 avec, j'espère avant tout, de belles images et que vous preniez soin de vous et que tout se passe le mieux possible. Voilà, écoutez, je suis très heureux de voir déjà beaucoup de commentaires. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure lorsque je le pourrai. Donc, je salue tous ceux qui sont là. Oh là, je vois beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Je mets mes lunettes parce que sinon, je n'arriverai pas à vous lire. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Pascal, bonjour Yves, Dominique. J'ai vu aussi que j'avais quelqu'un, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de ces nouvelles. Ça me fait plaisir des Vosges, donc de Francis. Donc, bonjour à tous. Et encore une fois, si vous m'entendez, juste un petit commentaire, comme d'habitude, me dire que tout va bien. Bonjour Pat, bonjour Camille également, bonjour Emmanuel. Donc, aujourd'hui, c'était l'annonce, et c'est toujours l'annonce, hein, puisqu'on va en parler de ce nouveau produit, puisque nous avons deux actualités. Donc, vous en avez l'habitude aujourd'hui. Hein, bonjour Arnaud également. C'est parfait, tout marche bien, on va croiser les doigts pour que ça dure, puisque lorsqu'on est en live, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Donc, on va commencer cette présentation. Comme vous en avez l'habitude, vous pouvez me mettre des commentaires, et moi, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ne m'en voulez pas si jamais je n'en vois pas ou que j'ai pas le temps. Surtout, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires à la fin de cette présentation, de façon à ce que je puisse y répondre dès demain, en essayant d'aller le plus vite possible pour pouvoir répondre aux questions si jamais je n'ai pas le temps d'y répondre ce soir ou si je n'ai pas la réponse tout simplement et qu'il faut que j'aille chercher l'information pour vous la communiquer. Donc, bonjour Eric aussi et bonjour à Joël. Bonjour Dominique de la Belgique. Donc, c'est super de te voir également ici. Je sais que je vais avoir la chance d'avoir avec nous quelques ambassadeurs. Je vois que Eric est présent également. Eric Leroy, que vous connaissez tous, j'imagine, en tout cas beaucoup d'entre vous. Donc, je vais tout de suite passer à la présentation de manière à ce que, on parle et qu'on rentre dans le vif du sujet. Comme vous en avez l'habitude maintenant lorsque je fais des présentations, n'hésitez pas à, si vous avez des questions, à me les poser. Et moi, encore une fois, j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. La première chose que je voulais échanger avec vous, puisqu'aujourd'hui, c'est une présentation produit. Donc, je vais montrer quelques photos, mais c'est pas le but de cette présentation. Aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ce que ce produit vient améliorer. Et vous verrez, donc très vite, sur nos différentes chaînes YouTube, enfin notre chaîne YouTube France, 5 ambassadeurs qui, au fur et à mesure du mois de février, vont venir présenter leur travail et leurs premières images avec l'OM1 Mark II et avec la nouvelle optique qui a été annoncée également aujourd'hui. Donc, je vous ai écrit ici l'ensemble des jours où les gens vont venir présenter leurs images. J'avoue que j'ai hésité à vous faire un petit teasing en mettant quelques photos qu'ils ont déjà eu la gentillesse de m'envoyer, qui sont juste incroyables. Donc, je ne peux que vous faire un teasing et puis vous donner rendez-vous dès le 1er février avec Eric. Le 5 février, ce sera Michel. Ensuite, on aura le 7 février, Léo. Et le 12 février, je suis très heureux de l'accueillir pour la première fois, puisque c'est un nouvel ambassadeur pour nous, Nicolas Bazerk, que certains connaissent peut-être avec Faune Sauvage sur son compte Instagram, donc qui a rejoint l'équipe depuis le 1er, j'en suis très heureux de l'accueillir. Et ce sera aussi une première pour lui, il est déjà intervenu, mais jamais avec une présentation de ses images, je suis très heureux de pouvoir l'intégrer également dans les 5 ambassadeurs qui ont pu tester le produit en avant-première, donc François Drouvin, qui sera donc le 5e ambassadeur, le 19 février, qui viendra vous présenter son travail. Voilà. Donc là, on parlera vraiment photo avec les 5 ambassadeurs que je viens de vous présenter. Bon, j'ai juste vous faire un petit teasing. Lorsque je leur ai envoyé le produit, ils ont eu carte blanche. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucune consigne de ma part pour faire tel ou tel type d'image. Ils avaient carte blanche. Je leur ai dit, voilà à quoi ressemble le produit. Voilà ce que le produit sait faire. Maintenant, à vous de me montrer comment vous pouvez imaginer
ce produit à travers vos images. Donc, c'est le challenge qu'ils ont relevé tous les cinq. Et encore une fois, j'ai eu la chance de voir leurs images. Vous ne serez pas déçus du résultat. Voilà. Donc, je me permets juste de faire un grand merci à ces cinq photographes parce que bah, je leur ai mis un peu la pression pour qu'ils puissent me fournir des images rapidement. Ils ont eu une quinzaine de jours pour tester le produit, le prendre en main et le découvrir à travers ces nouvelles fonctions. Donc, un grand merci à eux cinq. Et encore une fois, je suis déjà très impatient de partager avec vous l'ensemble de leurs images. Voilà, on va maintenant passer à la présentation qui va commencer déjà par une petite info que vous connaissiez peut-être déjà tous, mais vous devez voir que c'est la première fois depuis que je fais des présentations où vous n'avez plus le logo Olympus, puisque depuis le 1er janvier, nous sommes 100% OM System. Le nom Olympus n'apparaîtra plus dans mes présentations. Par contre, on emmène avec nous quasiment 90 années d'expertise photo. Hein. On n'est pas une OM System n'est pas tout neuf. OM System, bien sûr, amène avec lui l'histoire d'Olympus avec beaucoup de fierté à travers les 90 années qui ont fait de cette marque une marque historique photo. Je vais prendre 2-3 exemples comme ça. La mesure TTL, par exemple, dans les années 60, c'était Olympus. La mesure TTL flash dans les années 70, c'était encore Olympus. Plus proche de nous, on parle souvent des systèmes de protection anti-poussière en numérique. C'est pareil, c'était sur le E1, pour ceux qui se souviennent qu'on voyait apparaître pour la première fois un système anti-poussière qui est breveté. Donc, du coup, mes confrères ne peuvent pas l'avoir. Donc, ça, c'est des choses voilà, qui ont marqué vraiment l'histoire de la marque et qu'on emmène, bien sûr, avec nous chez OM System, avec tout au long de notre histoire une certaine vision de la photographie, mais également une certaine vision de nos produits à travers toujours la compacité et la légèreté. Hein. On prend souvent l'exemple de la gamme des OM dans les années 70, qui étaient déjà des boîtiers ultra compacts et légers par rapport à ce que faisaient mes confrères. À titre personnel, je suis très content que l'on s'appelle OM System, puisque là, chez nous, j'aime bien qu'on parle d'un système. Donc, le système enveloppe l'optique, bien entendu. Et à travers les optiques, c'est aussi comme ça que l'on obtient notre qualité photographique. Donc, toujours cette compacité et cette légèreté à travers un ensemble, donc boîtier et optique, qui vont nous faire donc l'image, aussi belle soit-elle, à travers nos différentes technologies. Donc, on est également, bien sûr, une marque japonaise, donc très ancrée dans la culture du Japon. Donc, vous avez dû voir, on communique beaucoup sur le Kacho Fujetsu. Donc, si jamais je dois prendre les syllabes pour créer fleurs, oiseaux, vent et lune, le Ka veut dire les fleurs, le Cho, les oiseaux, le Fu, le vent, et Jetsu, la lune. Donc, de manière générale, on va parler de nature à travers cette communication, puisqu'en allant dans cette direction-là, notre objectif et de vous donner envie de sortir, découvrir cette nature que l'on a autour de nous, et bien sûr, de pouvoir venir réaliser des images de manière, en toute liberté, à travers cette communication qui constitue la philosophie d'OM System aujourd'hui, pour pouvoir toujours vous faciliter au maximum la vie et la liberté de mouvement pour aller faire vos images. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va continuer, nous, à énormément travailler pour pouvoir vous proposer les produits les plus performants possibles, boîtiers et optiques, pour pouvoir vivre et partager votre passion de la photographie. Donc, c'est dans notre nature, c'est de cette manière-là que l'on a envie, encore une fois, de pouvoir vous proposer des produits comme l'OM1, puisqu'il y a 2 ans, donc l'OM1 était un vrai tournant déjà dans la marque OM System pour pouvoir proposer des fonctions que les gens ont découvert de manière rapide, comme le Pro Capture, comme le mode haute résolution à main levée par exemple, comme le Focus Stacking dont on me parle régulièrement également. Donc on voit que cet OM1 nous a permis d'expliquer et de montrer vraiment tous les avantages de notre système à travers des images, encore une fois, ultra performantes. Donc, ce boîtier a déjà 2 ans d'existence. Et ici, on voit les caractéristiques principales
que pouvait nous proposer l'OMA au moment de cette présentation, il y a déjà 2 ans. Donc avec, on le voit, je prends la grande diagonale, entre le processeur et le capteur, ce sont les deux éléments qui vraiment ont fait basculer énormément de photographes chez nous, qui les ont rassurés sur nos technologies et sur la qualité de nos appareils. On le voit au niveau du capteur sur le visuel que vous avez ici, avec la souris, vous devez le voir à cet endroit-là. Chaque photosite chez nous, c'est la différence avec d'autres marques qui ont également des capteurs rétroéclairés empilés. On n'est pas très nombreux à avoir ça aujourd'hui. Et bien sûr, je vais faire le focus également sur l'autofocus, puisque chaque photosite est divisé en 4, ce qui nous permet d'aller chercher donc 4 fois plus d'informations sur un seul photosite. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir 1053 collimateurs sur 100% de la surface de notre capteur. Et bien sûr, on est depuis déjà plusieurs années chez nous en détection de phase et de contraste. Donc, c'est quelque chose que l'on maîtrise sans aucun problème. Et puis, bien sûr, la rapidité du processeur qui nous permet d'aller chercher ces fonctions avec des assemblages, puisque c'est bien d'avoir des fonctions, mais c'est encore mieux, bien sûr, si vous devez rester, vous ne restez pas des secondes ou des minutes à attendre que le résultat. Là, on sait qu'avec un OM1, vous aviez ce résultat déjà il y a 2 ans. Donc, je vais me permettre donc de poursuivre avec quelques articles de presse que je vous montre très rapidement lorsque l'OM1 est sorti. Donc, ça montre vraiment que ce produit a fait l'unanimité aussi bien sur des magazines qui sont usage technique. Et j'ai mis un focus, moi, sur celui-là, puisque c'est un magazine que j'apprécie à titre personnel beaucoup, mais qui également montre des belles images et parle beaucoup d'usage. Et je trouvais intéressant de le faire ressortir, celui-là, puisque au final, ce qui nous intéresse, c'est le résultat et l'usage, et pas uniquement être sur de la technique ou une fiche technique pure et dure. Moi, ce qui m'intéresse lorsque je discute avec des photographes ou avec certains d'entre vous, lorsque je les croise, c'est de pouvoir parler d'usage. Est-ce que ce produit me correspond? Est-ce que je vais avoir le résultat que je souhaite obtenir? Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse. Et on verra au fur et à mesure de la présentation que l'on a des fonctions dans nos produits qui permettent d'aller vers l'usage et d'aller chercher des fonctionnalités qui sont vraiment hyper utiles en photographie. Donc, je vois que j'ai déjà quelques questions. Ne vous inquiétez pas, Michael. Voilà, sur le 150-600, on va voir ensemble, il y a beaucoup de choses. On va en parler, hein, vous inquiétez pas. Je zappe pas vos questions. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vois qu'il y a des commentaires qui sont très gentils. Donc, merci, Dan. Donc, voilà. On savait que l'OM1 était un super produit. Donc, on a été dans une continuité, une évolution de ce que pouvait déjà nous apporter l'OM1. Avec le premier boîtier OM système professionnel, avec donc l'arrivée de l'OM1 Mark II. Donc l'OM1 Mark II, et on le voit sur le produit physiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu circuler des images de nos ambassadeurs avec le boîtier dans les mains. On voit déjà dans un premier aperçu que le logo Olympus, comme je vous le disais en présentation, n'apparaît plus sur le produit. Mais on a toujours ce repère OM qui est très ancré Olympus. Donc on garde vraiment l'identité. Ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, encore une fois, je me répète, mais c'est toujours bien de le redire, l'ensemble des équipes de recherche et développement, de mise à... Enfin, voilà, ce produit est vraiment l'héritier d'Olympus et on a toujours nos équipes au Japon pour pouvoir concevoir des produits de plus en plus performants et qui offrent encore une fois des fonctions dans l'évolution de l'OM1 vers l'OM1 Mark II. Donc, je continue. Donc, on avait, comme je vous le disais, une vraie ambition avec l'arrivée de l'OM1 Mark II, c'était d'aller chercher le perfectionnement de ce qu'on pouvait encore améliorer sur un OM1. Donc, on allait chercher à le mettre et à l'intégrer à travers l'OM1 Mark II. Donc, on est toujours à travers ces catégories. Donc, les ambassadeurs qui sont présents ce soir, ils vous le diront, je suis toujours en train de leur dire, même si vous avez une spécialité que j'adore, voilà les 4 univers dans lesquels on pense, en tout cas, que nos produits sont hyper performants. Donc, la photographie d'oiseaux, l'animalier, le paysage et la macro.
Donc, ce sont quatre univers photographiques. Bien sûr, on peut aller dans d'autres univers, mais le focus que je demande à mes ambassadeurs sont dans ces quatre thématiques. Et je suis très content, encore une fois, de travailler avec les photographes que j'ai avec moi en référent. Donc, on va parler de ces cinq éléments. Donc, ces cinq éléments, on va parler de la photographie d'oiseaux, la photographie animalière. Alors, je sais qu'un oiseau est un animal, donc jusqu'à là, on est tous d'accord, mais on verra qu'on a des distinguos entre les deux. On parlera de la photo de paysage et on parlera également de la macrophotographie et puis les spécificités que l'on a historiquement dans nos boîtiers et les avantages du système. Donc, la première chose dont nous allons discuter, c'est qu'on va parler de la photographie d'oiseaux avec un ambassadeur que j'aime beaucoup, que j'ai la chance de rencontrer et qui, en discutant avec lui, hein, bon voilà, je ne vais pas vous lire mot à mot, mais en gros, voilà, ce qui en ressort, c'est qu'une fois qu'on a testé l'OM1 Mark II, les évolutions de l'OM1 Mark II vers le nouvel OM, donc l'OM1 Mark II, bah, il ne ferait plus machine arrière parce que il y a vraiment des choses et de la vitesse et de la précision qui vont pouvoir nous apporter quelque chose de super intéressant à travers la photographie d'oiseaux. Donc, je me suis permis de mettre la photo originale parce que je la trouve tellement magnifique sans qu'elle soit recadrée. Donc, je vous présente Pete en personne. Donc, je la trouve tellement belle cette photo que j'ai un peu changé la présentation officielle, j'ai envie de dire, et en intégrant cette image dans son intégralité pour vous montrer voilà le genre d'image que l'on peut réaliser avec ce boîtier et cette optique. Donc, oui, effectivement, Patrick, ça marche également bien dans le sport. Maintenant, ce n'est pas à cet endroit-là que l'on va communiquer. On va vraiment continuer de notre côté, en termes d'usage, à communiquer beaucoup autour de la nature, liée à la communication Fujitsu que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà pourquoi on ne voit pas des photos dans d'autres univers. Il faut faire des choix de communication. Notre choix est la nature. Jérémy, monsieur maître, est-ce que la moitié d'encastrement de la molette avant en tant que photographe poussière, astro, je trouve ça bien. Ok, bah écoutez, on va en parler un peu plus tard, puisque justement je parle de l'évolution physique du produit, donc on va en parler un peu plus tard, Jérémy. Donc également un autre photographe qui lui met en avant avant tout déjà la stabilisation qu'il trouve remarquable, et c'est quelque chose, encore une fois, qui bluffe, même si on est tellement habitué chez nous à utiliser nos produits et on sait à quel point le stabilisateur est performant, et ben on arrive encore à surprendre des photographes de par la qualité de notre stabilisateur. On va également en parler un peu plus tard et ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, fait la différence. Première évolution. Alors, je précise que cette vidéo ou toutes ces vidéos que vous allez voir sont des captures réel de ce que voit le boîtier. Donc, il n'y a aucune triche. Si jamais vous voyez la mise au point qui va sur l'oiseau, sur la tête de l'oiseau, c'est en temps réel. C'est comme si j'avais relié mon appareil photo à mon ordinateur et faire une capture vidéo de ce que mon boîtier peut voir. Il y a des accessoires qui existent pour ça. Donc, la première chose, et tous m'ont dit, c'est vraiment amélioré par rapport à l'OM1, puisque les cinq photographes avec qui je travaille qui sont habitués à manipuler mes produits, qui connaissent les réglages par cœur, bah, se font pas piéger. Donc, du coup, ils savent comment le régler. Et ils ont tous dit, effectivement, la F, c'est impressionnant l'évolution que ce produit propose. Je continue dans une autre évolution. On va avoir cette fois-ci la mémorisation, quelque part, au moment de la prise de vue. Lorsque la F se cale sur l'oiseau, il a déjà en mémoire l'ensemble de son corps. Et lorsque la tête apparaît, vous voyez, tout de suite, il va chercher la tête. Et si jamais la tête disparaît, il rebascule sur le corps. Alors que sur un OM1, l'appareil avait tendance à rechercher la mise au point pour se recaler. Là, dès qu'il perd un repère, il reste sur le même animal de façon à basculer sur un autre repère de mise au point, mais en gardant le même sujet, en n'allant pas chercher un autre sujet. On voit à un moment donné, il y a même un oiseau qui passe devant. Non, on voit que ça réagit, ça revient sur le sujet principal. Donc, on voit que ça fonctionne super bien. Ensuite, dans les nouveautés, cette fois-ci, on a intégré la détection de l'être humain. Donc, la détection de l'être humain,
va prendre la place, pour ceux qui sont habitués à nos boîtiers, à la détection de visage et la détection des regards que l'on avait déjà sur l'ensemble de notre gamme. Donc aujourd'hui, à l'endroit dans le menu où vous êtes habitué en appuyant sur OK par exemple, vous avez le super contrôle panel qui vous donne l'ensemble des informations de prise de vue, vous verrez à la place de la détection de visage, la détection de l'intelligence artificielle de l'ensemble des sujets à votre disposition. Comme ça, ce ne sera plus la peine d'aller dans le menu éventuellement pour aller chercher ce genre de fonction. Vous appuierez sur OK, super contrôle panel, et à l'endroit où habituellement vous aviez la détection des visages, maintenant, vous aurez automatiquement la détection des sujets. Donc, c'est encore une fois une évolution en termes de rapidité d'usage qui est super intéressante. On continue. Donc, je me suis permis de mettre une image que j'ai faite pour le tester. Alors, en attendant de voir les magnifiques images de mes ambassadeurs, vous voyez un peu des miennes. Ça, c'est une image que j'ai faite justement en utilisant la détection des oiseaux, donc l'intelligence artificielle, et en utilisant l'appareil en ProCapture SH2 qui me permet de travailler en live continu. Donc ça, c'est une fonction qui est remarquable. Là, l'oiseau est arrivé et vous voyez, avant qu'il se pose, j'ai toute ma séquence. Quand il arrive, c'est un repère que j'avais. Et quand j'ai vu ce repère, je savais qu'à un moment donné, il reviendrait à cet endroit-là. Et ben, mon temps de réaction, bien sûr, serait trop long. En utilisant le mode ProCapture, je précise encore une fois, en mode SH2, dès que l'oiseau est arrivé, la mise au point grâce à la détection des oiseaux est venue sur lui et l'a suivi tout le long qui m'intéressait. Donc, encore une fois, ce sont des fonctions qui sont juste incroyables et qui nous permettent de garantir une mise au point directement à partir du boîtier. Donc, Camille, image sortie du boîtier. Donc, hop là, je vais faire apparaître juste deux petites secondes. Voilà, hop, pour pouvoir répondre directement. Donc, image sortie du boîtier en JPEG, Thierry. Non, c'est une image que j'ai exportée en RAW à partir de OM Workspace en TIFF pour pouvoir avoir un peu plus d'informations dessus, sur cette image. Donc, maintenant, j'ai le comparatif avec le fichier RAW. Moi, j'ai un traitement d'image qui est un peu dur sur mes images. Forcément, le fichier JPEG était un peu moins contrasté, un peu moins dur. Mais ça, c'est vraiment un choix très personnel. Mais déjà, l'image sur le JPEG était très, très bonne. Et on voit en plus les conditions météo. Là, il neigeait ce jour-là, en mélange pluie-neige. Donc, ce n'était pas des conditions très faciles. Et on aurait pu très vite planter le produit. Avez-vous... Hop, je vais regarder pendant que Jérôme... Également une question de Jérôme. Avez-vous un gain sur le temps de traitement de la prise en 80 millions de pixels? On va en parler un peu plus tard, mais Jérôme, mais en fait, le gain n'est pas lié à... Le double buffer nous apporte plutôt un gain, et on va en parler un peu plus tard sur les modes rafales, que sur la technologie du mode de 80 ou 50 millions de pixels à main levée. Mais ça, encore une fois, on va en parler un peu plus tard. Alors, hop. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Yves, qui souhaite savoir si on a un GPS intégré dans le produit. La réponse est non, Yves. Il faut utiliser l'application, il ne faut pas hésiter OM Share. Donc, là, dans ces cas-là, vous pourrez activer la géolocalisation via l'application. Donc, c'est quelque chose d'intéressant également. Donc, Jacques, qui me demande s'il s'agit d'une amélioration de logiciel ou hardware. Il y a toujours un mix, de toute façon. Il y a des choses que l'on dit, des choses que l'on ne dit pas, forcément. L'information officielle au niveau du hardware, je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Voilà, je vais rebasculer sur la présentation. Donc, au niveau de l'AF, on peut également verrouiller. Alors, ça, il faut faire attention lorsqu'on utilise cette fonction, de bien faire le choix d'un couple de collimateurs, puisque je vous rappelle que la détection automatique des animaux ou des oiseaux, quelle qu'elle soit, est toujours liée au nombre de collimateurs que vous avez dans votre composition d'image. Donc, soit vous avez les 1053 collimateurs, et dans ces cas-là, le repère peut se faire sur l'ensemble de la composition de votre image. Maintenant, notre boîtier permet de travailler avec des pavés qui font un ratio 9 sur 9, par exemple.
Et là, la détection automatique des oiseaux, si à un moment donné, votre oiseau sort de ce repère de 9 sur 9, automatiquement, il va perdre le verrouillage. Donc, il peut y avoir des fois des interprétations ou des tests qui vont malheureusement peut-être se faire piéger par ce genre de phénomène. Donc, attention, lorsqu'on utilise nos boîtiers, bien sûr, l'ensemble des réglages liés à l'autofocus a une importance primordiale lorsqu'on veut faire ce genre de test. Donc là, en fait, vous pourrez activer directement le raccourci autofocus pour verrouiller l'AF. Et à ce moment-là, vous pourrez simplement choisir quel oiseau vous avez envie d'avoir dans votre mise au point verrouillée. Alors, je vois que je ne réponds pas à qui ? Je ne réponds pas à Michael. Alors, une question polémique. Alors voilà, il faut acheter un nouveau boîtier au lieu de fournir une mise à jour. Pas Thierry, psa Thierry, non ? Des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous répondre clairement, et je n'ai pas d'informations sur la mise à jour d'un firmware. Maintenant, on sait aussi qu'on ne peut pas tout faire par firmware. Donc, n'imaginez pas une seule seconde, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, que par firmware, on peut tout faire. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire par firmware, et on est obligé d'intégrer des nouveautés, et ces nouveautés, bien sûr, vont être intégrées dans l'OM1 Mark II. Donc, je pense par exemple à l'amélioration du stabilisateur. Je suis pas un spécialiste des firmware, hein, mais je suis pas persuadé que par firmware, on ne pourrait pas améliorer le stabilisateur comme il a été intégré. Donc, ce sont des choses que l'on entend régulièrement. On pense souvent qu'une mise à jour firmware peut résoudre énormément de choses ou peut faire évoluer énormément de choses. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas prévu, à l'heure où je vous parle, d'avoir encore de mise à jour firmware sur l'OM1. Voilà. Donc, ça répond également à la question pour récupérer certaines fonctionnalités. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, hein, puisque, encore une fois, on voit qu'il y a des évolutions régulièrement, quelles que soient les marques, où on voit des mises à jour firmware apparaître. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle avec le lancement de l'OM1 Mark II, il n'y a pas de mise à jour firmware de l'OM1. Donc, je continue. Hop. Donc, l'autre évolution que l'on a sur le produit, ça va être de proposer, en termes de prise de vue, des modes sans blackout. Le blackout, vous savez, c'est le fameux... je schématise avec un obturateur qui se passe devant vos yeux au moment où vous êtes en train de faire un suivi. Bah, forcément, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un blackout, mais là, vous n'allez pas avoir ce phénomène grâce, encore une fois, à l'OM1 Mark II et avec cette intégration de la mémoire tampon, donc le buffer, qui permet donc, on le voit ici, de pouvoir basculer sur un nombre d'images mémorisées, donc de stockage très important, puisqu'on passe de 92 images sur un OM1 à 213 images possibles en RAW, avec une cadence de 120 images par seconde. Là, vous voyez, typiquement, c'est un ajout hardware qui nous permet donc de pouvoir faire évoluer notre produit. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Autre chose super intéressante, moi, j'aime bien beaucoup ça, c'est ne pas avoir été chercher des vitesses plus rapides. Déjà, du 50 images par seconde, je voulais en AF continu, hein, je vous laisse imaginer le nombre de photos en editing que vous avez à gérer après en post-traitement. Et il y a des situations de prise de vue où on n'a pas besoin de ces vitesses extrêmes. Donc, on a créé sur ce produit la possibilité d'avoir un 12,5 images par seconde ou un 16,7 images par seconde, ce qui vous permet, vous voyez, bah, typiquement, la bio qui tourne là, je n'ai pas besoin d'un 50 images par seconde. Donc, je peux très bien descendre ma cadence et ça me permettra à ce moment-là d'aller chercher un editing beaucoup plus simple pour moi après, lorsque j'aurai besoin de consulter mes images. Quelque chose d'incroyable, moi je suis fan de stabilisateur que l'on avait sur l'OM1, on se rend compte que l'OM1 Mark II va encore plus loin. Donc ça c'est quelque chose que, quand je l'ai présenté à la presse, ils avaient du mal à le croire, qu'on puisse encore améliorer ce qu'un OM1 pouvait permettre. On a tous la prétention, au niveau même la presse, hein, de dire que le meilleur stabilisateur, il est chez nous. Et on est très fiers donc d'avoir fait l'évolution de l'OM1.
Et là, on est passé à 8,5 steps de compensation, là où l'OM1, qui était déjà très bon, était lui à 7 steps. Donc, on a un gain de 1,5, ce qui est juste incroyable. J'aime beaucoup cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'un stabilisateur, certes, est utile au moment du déclenchement, mais lorsqu'on travaille sur de la très longue focale, on est bien content d'avoir un stab quand vous appuyez à mi-course qui va vous aider à avoir un cadrage le plus précis possible au moment de la prise de vue. Donc là, on voit avec et sans. Donc là, vous voyez, avec, j'ai mon cadrage. Et dès que je coupe mon stabilisateur, vous allez voir au niveau de la vidéo, c'est très compliqué d'avoir le cadrage que je souhaite avoir. Donc, encore une fois, c'est un intérêt en termes d'usage et bien sûr en termes de résultats photographiques. L'usage, là, on le voit sur la longue focale, mais c'est également super intéressant d'aller chercher cette qualité de stabilisation avec nos optiques 90 mm macro, par exemple, puisqu'en macrophotographie, c'est la même chose. Lorsqu'on a des rapports de grossissement très importants, eh ben, notre système de stabilisation va nous aider. On parle des menus et de la molette. Donc, la molette, en fait, on a changé le revêtement. Donc, on a un revêtement caoutchouté maintenant. Donc, vous verrez, hein, donc, au niveau de la sensibilité que l'on a au moment des réglages, on a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins agressif et qui protège, puisqu'il n'y a plus du tout ce côté métallique que l'on avait avant uniquement sur le bouton. Donc, vous avez encore une protection supplémentaire contre... Tout à l'heure, il y avait une question concernant la robustesse. Bah, effectivement, là, maintenant, cette matière... Ce revêtement va aider à protéger encore plus l'OM1 Mark II si on devait le comparer à un OM1 première génération. Autre évolution du produit en termes d'usage, là on le voit sur cette image, hein, lorsqu'on est en shooting comme ça avec une longue focale, bah forcément sur l'OM1, la touche menu se trouve à gauche. Donc il faut enlever la main de son objectif, appuyer sur le menu et changer ses réglages. Là maintenant, on va pouvoir affecter directement la touche corbeille via les raccourcis pour lui affecter la possibilité d'avoir le menu à cet endroit-là. De cette manière-là, vous allez voir ici, donc dans les réglages de boutons, il suffit juste d'activer le réglage du menu sur la corbeille et lorsque vous serez en mode prise de vue maintenant, vous n'aurez plus besoin de relâcher la main de l'objectif et avec votre main droite, vous aurez accès à tous les réglages possibles et en appuyant donc sur la touche menu, maintenant, vous activerez le menu de l'appareil. Donc, pardon, la touche corbeille pour activer le menu de votre appareil. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran ici pour vous montrer à quel endroit cela va se trouver. Voilà les évolutions que l'on trouve intéressantes pour la photographie animalière, avec des évolutions notables, encore une fois, au niveau de la détection des sujets, le stabilisateur qui a été amélioré, ce double buffer qui nous permet d'aller chercher des images, un stockage d'images très important avant que ça aille écrire sur la carte mémoire. Donc, ça n'empêche pas d'avoir une carte rapide, hein, mais effectivement, ça va énormément aider, même si on a des cartes un peu moins rapides, bah, le fait que ça stocke dans l'appareil avant d'écrire sur la carte de façon beaucoup plus importante, hein, que l'on avait sur un OM1, c'est quelque chose qui va également apporter en usage quelque chose de très intéressant. Voilà. Pas de questions sur la photo animalière, j'étais assez clair, c'est bon, je continue. On va passer à la photographie de paysage, si vous n'avez pas de questions. Le viseur, pardon, j'ai pas vu que j'avais une question de la part d'Eric, donc je vais venir sur la question d'Eric pour la faire apparaître à l'écran pour tout le monde. Hop. Donc, Eric se demande si c'est la même, exactement. Donc, on est sur le même, Eric, on est sur le même viseur que l'OM1, le même écran, le même processeur. Donc, là, toute cette base est identique. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur? Comment on développe tout ce qui va bien avec? On l'a vu avec ce double buffer, encore une fois. Ce sont des choses qui vont, encore une fois, être dans l'amélioration de l'OM1 par rapport à ce qu'un OM1 première génération pouvait proposer et ce que va nous proposer dans l'usage, encore une fois, un OM1 Mark II. Hop. Merci Eric pour la question. Donc je continue. Donc pour la photographie de paysage, là encore une fois, on est avec un photographe qui l'a testé, Matt, qui a testé le produit dans des conditions météo un petit peu compliquées. Donc on voit encore une fois que là pour la photographie de paysage, d'avoir cette norme IP53
voilà, testé par un organisme indépendant et super intéressant. Donc, la nouveauté que l'on a cette fois-ci, ça va être non pas d'avoir intégré, comme on l'avait déjà fait, le Live ND, on va avoir un filtre gradué, donc qui va nous permettre d'avoir trois niveaux, donc le GN2, le GND4 et le GND8. Et sur chacun de ces filtres, vous pourrez lui appliquer une densité doux, moyenne ou dure, en fonction de la possibilité que vous avez envie de rattraper à la prise de vue l'effet d'un filtre gradué. Donc là, encore une fois, on innove. On est, à ma connaissance, les premiers à le faire. Et on le propose directement à la prise de vue. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable à utiliser. Je vous garde une conférence vraiment dédiée à cet usage, puisqu'on peut affecter des raccourcis pour activer, pour pouvoir faire varier, non pas par l'écran, mais molette avant, molette arrière, et le joystick. Donc, ce sont des choses que moi, j'utilise sur mon OM1 Mark II personnel. Et là, on peut aller vraiment très loin dans les recherches d'usage. Et voilà, c'est juste incroyable. Ce qui est super intéressant, j'ai déjà vu quelques questions pour mes confrères qui ont fait des conférences avant moi aujourd'hui. Bien sûr, on imagine que c'est sur le JPEG. Or, cette application du filtre gradué, vous allez l'avoir sur le fichier RAW également et non pas uniquement sur le JPEG. Donc, c'est quelque chose qui, en termes de développement, encore une fois, est super intéressant et assez magique. Donc là, on le voit hein, sur ce genre d'image. Donc ça, c'est des images qu'on fait tous hein, lorsqu'on a un contre-jour. Et voilà le résultat que l'on peut obtenir grâce à ce filtre gradué. Donc, en fonction du niveau que vous avez envie d'obtenir, et je vous conseille là aussi de venir aux conférences que vont faire mes ambassadeurs, puisque bah, c'est une fonction qui les ont tous bluffés. Et j'ai vu beaucoup de leurs images passer. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à obtenir. Donc, encore une fois, ça, c'est une nouveauté qui n'était pas intégrée dans l'OM1, qui vous permettra, dans ce genre de situation de prise de vue, d'avoir ce genre d'image. Autre évolution, cette fois-ci, grâce, encore une fois, on est sur le ND Live cette fois-ci. Donc le ND Live nous permet d'évoluer vers un ND 128, là où l'OM1, lui, était sur le filtre ND 64. Donc le ND 64 était un super avantage et le ND 128 nous permet d'aller encore plus loin dans le résultat. Je vous montre juste très rapidement quelques images que j'ai réalisées. Là, on est sur le ND 64. Pourquoi j'ai fait ces images? C'est juste pour montrer que l'intérêt de ce filtre intégré dans le boîtier, c'est que là, j'étais en balade et je ne savais pas que j'allais trouver ce genre de paysage devant moi. Et lorsqu'on ne le sait pas, bah forcément, vous ne pensez pas forcément à prendre vos filtres ND, vos Vario, vos ND1000. Vous ne pensez pas à prendre votre trépied. Et du coup, bah, ces images, et malheureusement, vous ne pouvez pas les réaliser sans les accessoires qui vont bien avec. Là, en fait, quand je suis arrivé à cet endroit-là, tout simplement, je me suis mis en priorité vitesse. J'ai été chercher le filtre Live ND. Et voilà le résultat que j'ai réussi à obtenir sans trépied et sans avoir un filtre ND. Mais ça, c'est pas nouveau, mais c'est juste pour un petit rappel que cette fonction, comme le filtre gradué, j'espère, va vous convaincre dans énormément de situations, bah, le filtre ND, c'est quelque chose d'incroyable avec plein de possibilités. Et là, vous avez les premières images que j'ai faites avec le ND 128. Donc, le ND 128 me permet d'aller encore plus loin. Pourquoi? Puisque le ND 128, pour avoir ce genre d'image, je pense que vous êtes tous d'accord, où on va avoir forcément sur ND 128 une vitesse d'obturation beaucoup plus lente qu'avec le ND 64. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a intégré dans l'OM1 Mark II? Puisque juste avant, je vous ai parlé de l'amélioration du stabilisateur. Donc, s'il y a une concordance entre les deux, le fait d'avoir amélioré le stabilisateur nous permet de développer le filtre ND 128 et d'aller chercher des vitesses très lentes. Donc, la photo de gauche, par exemple, j'étais à 4 secondes à main levée. Donc, 4 secondes à main levée, voilà le résultat. Grâce à l'ensemble de ce que propose le produit, l'amélioration donc du stabilisateur et le filtre ND 128, qui est donc juste incroyable. Et l'autre image de droite a été faite cette fois-ci avec un équivalent 300 mm, là aussi à main levée, grâce à la stabilisation et ce que ce filtre peut me permettre de réaliser aujourd'hui.
encore une fois, c'est le double de ce que proposait l'OM1. Donc, c'est une évolution super intéressante aussi. Je me répète, grâce à l'évolution, entre autres, du stabilisateur. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve, à titre personnel, vraiment, vraiment remarquable. Alors, tac, j'ai une question. Je me doutais que je l'aurais, celle-là. Donc, merci de la poser, Eric. Donc, le Live GND, c'est quoi le mode pour l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser en priorité ouverture, hein, ça change rien là, puisque vous y avez accès, contrairement au mode Live ND, vous avez parfaitement raison, il faut l'utiliser obligatoirement en mode priorité vitesse ou le mode manuel. Donc là, le filtre GND, vous pouvez travailler avec en priorité ouverture si vous avez envie de le faire. Merci Camille. Oui, forcément, on a des choses intéressantes. Je sais qu'il peut y avoir des commentaires. Alors, moi, ne comptez pas sur moi pour entrer dans les polémiques, c'est pas du tout mon style. Je pense que vous me suivez depuis pas mal de temps. Après, chacun peut se faire son avis sur le produit, je respecte. Alors, je respecterai toujours ce que les gens pensent. Après, l'appareil, il est comme il est, et il y a des choses, moi, que je trouve super intéressantes, et on le voit avec ce Live ND et ce filtre gradué. Hop là, voilà la question à laquelle je m'attendais. Peut-on utiliser le filtre ND et le gradué ensemble? Non, on ne peut pas, puisque les ressources ne permettent pas de le faire, de pouvoir gérer les deux en parallèle à partir du capteur. Donc, voilà, c'est quelque chose que c'est vrai que ça aurait pu être appréciable, mais là, vous imaginez la vitesse de calcul de tout ce que doit intégrer un appareil photo pour pouvoir analyser les pixels en déplacement sur le Live ND et l'analyse qu'il doit faire sur le filtre gradué. Donc, malheureusement, les deux ne sont pas possibles. Et des buffers. Bon, ça, les buffers, j'en ai parlé un petit peu avant, Eric. Donc, je vous encourage à regarder si vous n'avez pas vu un petit peu plus tôt ce que j'ai expliqué. Donc, José, la mise au point d'herbe. Hop. La mise au point améliorée en détection de sujets sur brins d'herbe ou branches devant un sujet. Alors, je vais vous dire oui, mais surtout, je vous encourage à revenir très vite. Donc, soit le 1er février ou le 5 février de mémoire, où vous verrez des photos faites d'oiseaux sur des branches par nos ambassadeurs. Et je pense qu'il n'y aura pas mieux que eux pour expliquer l'usage, José, qu'ils ont fait avec ce produit. Et je pense que vous serez assez bluffés. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser les filtres ND en vidéo? Ce serait intéressant. Oui, on pourrait. Sauf qu'on est sur une extrapolation d'une image fixe sur ce qui bouge. Donc, il suffit juste, par exemple, que vous activiez le filtre ND et que vous bougiez l'appareil pour vous caler. Vous allez voir que l'appareil analyse tous les pixels en déplacement. Et à ce moment-là, vous allez avoir une image qui va être toute floutée. Donc, du coup, en vidéo, comme on parle d'extrapolation et non pas un filtre physique qui vient se positionner devant le capteur, ça aurait été la solution, mais c'est pas la solution qui a été choisie par la marque. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas en vidéo. Hop, je vais prendre le dernier commentaire. J'espère que je vais pas avoir mauvaise surprise. Donc, Denis, bonjour Denis. Très heureux de voir les progrès de l'OM1. Le marque 2 est déjà génial. Merci. Voilà. J'aimerais avoir ce genre de commentaire. C'est agréable de lire. Donc, merci de votre soutien, Denis. C'est très agréable. Et Théo, très difficile. Ça, c'est une question également qui revient. Je reviens d'un encadrement d'un séjour photo dans le nord de la Laponie avec des conditions météo très difficiles. Impressionné par les tenues au froid de l'OM1. Tout fonctionne à moins 40 degrés. Je vous encourage aussi dans cette thématique, si vous êtes impressionné, on a un de nos ambassadeurs qui s'appelle Olivier Folmy. Donc, Olivier Folmy est un photographe référent hein, sur toutes les photos au Tibet, dans l'Himalaya, dans toute sa carrière. Il est impressionné à chaque fois qu'il va là-bas par les conditions météo dans lesquelles il travaille. Et c'est vrai que la température, la pluie, merci IP53, un indice de protection, ça nous permet d'avoir ce genre de choses. Question qui va revenir souvent, donc je la mets de la part de Philippe. Y a-t-il une amélioration au niveau du bruit dans les hautes sensibilités ISO? Donc, non, par rapport à l'OM1. Maintenant, je trouve que l'OM1 est déjà très bon dans les hautes sensibilités. Moi, j'ai des thématiques photos où je monte la sensibilité ISO. Après, si jamais vous avez besoin de monter très haut dans les sensibilités ISO, y a des logiciels aujourd'hui qui nous permettent de récupérer. C'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire en post-traitement aujourd'hui. Si jamais le traitement sur le fichier JPEG qui est appliqué par le boîtier ne vous satisfait pas, prenez les images en fichier RAW et faites vous-même en post-traitement un débruitage avec peut-être des logiciels dédiés
Je vous laisserai regarder lesquels. Il en existe plusieurs sur le marché, mais c'est aujourd'hui impressionnant de travailler dans des valeurs à 12008, par exemple, un débruitage, et vous avez l'impression que votre image, elle est faite à 400 ISO, quoi. Donc aujourd'hui, on a des solutions en post-traitement. Si le traitement via le boîtier sur le fichier JPEG ne vous correspond pas, Philippe. Je vais continuer la présentation. Voilà, je m'excuse, hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si je ne réponds pas à toutes vos questions, encore une fois, à le mettre dans les commentaires. Et dans ces cas-là, j'essaierai de revenir dès demain pour répondre à l'ensemble de vos questions. Hop, voilà donc une des images réalisées par notre ambassadeur lorsqu'il est parti donc en Écosse. Donc voilà, moi je trouve ça juste magnifique, c'est incroyable de pouvoir réaliser ça à main levée. Et voilà, encore une fois, vous verrez ce que mes ambassadeurs ont fait, ils n'ont rien envie à ce genre d'image. Donc c'est voilà, c'est juste magnifique. L'avantage du filtre ND128 également par rapport au 64, c'est que du coup, le débit du torrent ou d'une cascade peut être moins important, puisque bah, le ND128 va générer tout de suite un effet, comme on le voit à l'image, de façon beaucoup plus marquée que si on a un ND32 ou un ND64. Et encore une fois, je me répète, tout ça, c'est parce que l'évolution de l'OM1 Mark II via son stabilisateur nous permet d'aller chercher ce ND128. Autre évolution, tout à l'heure on en parlait, j'avais une question à ce sujet-là sur le fichier RAW, donc le fichier RAW 14 bits sur la haute résolution, donc ça va nous tripler les tonalités, et bien sûr on va continuer à quadrupler la résolution, puisqu'on peut monter de notre capteur de 20 millions au départ vers un capteur de 80 millions, à condition d'être sur trépied, puisque c'est par un déplacement de capteur, et à main levée, sur du 50 millions de pixels à main levée. Par contre, c'est vrai que l'évolution d'avoir un fichier gros 14 bits va nous donner, on le voit, hein, je vous ai écrit la différence, on passe de 4000, j'arrondis, hein, de 4000 à 12000, c'est énorme la différence pour pouvoir justement exploiter l'ensemble des informations qui seront inscrites dans le fichier RAW pour les personnes qui souhaitent travailler au maximum de la résolution que propose aujourd'hui un OM1 Mark II. Donc voilà l'ensemble des éléments qui peuvent, à notre avis, vous aider dans la photographie de paysage. Donc on est toujours, bien sûr, sur la légèreté et la compacité, puisque quand on fait du paysage, normalement, on voyage beaucoup pour aller chercher le bon endroit. Et on a donc dans les nouveautés, hein, on a ce fameux filtre gradué pouvant aller jusqu'à un GND8. On a l'arrivée du Live ND128. On a ce mode haute résolution en 14 bits. Et on a toujours le Live Composite, le Starry Sky et le Focus Stacking. Pour ceux qui ont déjà suivi des conférences avec moi, ils savent que ça m'arrive d'utiliser du Focus Stacking pour la photographie de paysage, de manière à ne pas fermer mon diaphragme et de ne pas avoir la diffraction. Et je peux travailler à 4 ou à 5, 6 ouvertures, par exemple, et utiliser l'empilement de mes images pour gagner ma profondeur de champ sur la photographie de paysage. Après, les autres fonctions sont des fonctions qui n'ont pas évolué, qui étaient déjà présentes dans l'OM1. Pareil, hein, sur la photographie macro, il n'y a pas de grosse évolution. La principale évolution, bien sûr, on va parler, c'est le stabilisateur qui va nous aider énormément lorsqu'on va travailler, je pense, au 90 mm, par exemple, puisqu'on a toujours ce fameux rapport de grossissement équivalent x8, si on doit comparer à du 35 mm. Donc, c'est super intéressant sur l'OM1 Mark II de bénéficier de ce gain sur le stabilisateur. Et puis, dès qu'on veut faire du pack shot ou même de la nature, hein, on peut faire du fichier haute résolution. Cette fois-ci, là, encore une fois, avec un fichier 14 bits qui vous donnera beaucoup plus d'informations dans votre fichier de base pour pouvoir le développer comme vous avez envie de le développer. Au niveau de nos spécificités, je vous en parlais tout à l'heure un tout petit peu, hein, puisqu'il y avait un commentaire concernant la possibilité de voyager et de ne pas avoir de risque, même quelles que soient les conditions météo. Bah, on a toujours sur l'OM1 Mark II cette note donc d'indice de protection de 5.3 ou de 53 qui est testée, je me répète, par un organisme indépendant. C'est pas nous qui sortons cette note. Donc malheureusement, on est quasiment les seuls à communiquer sur le sujet. Donc, c'est compliqué d'avoir un repère par rapport à mes confrères. Mais en tout cas,
voilà, les retours, hein, on le voit bien avec vos commentaires, sont toujours très élogieux dès que l'on parle de protection sur nos produits. Et bien sûr, lorsqu'on parle de protection également sur notre système anti-poussière, donc le Supersonic Wave Filter, qui continue, lui, bah voilà, c'est breveté, c'est inégalé. Et là, je pense que personne, comme pour le stabilisateur, viendra dire « Ah ouais, mais moi, nous, on a mieux. » Non, on sait qu'aujourd'hui, OM System a le meilleur stabilisateur et le meilleur système anti-poussière du marché. Sur l'évolution de la vidéo, j'ai beaucoup de mes ambassadeurs qui étaient très contents de voir cette évolution, puisqu'on va pouvoir filmer maintenant en vertical. Moi, c'est ce que j'ai fait pour présenter le produit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai fait une petite story ou un réel qui a été diffusé là, ce matin, je crois, ou ce midi, sur nos différents réseaux. Donc, je me suis mis l'appareil à la verticale, et comme ça, j'ai juste fait mon petit montage en arrivant chez moi, et c'était prêt à être diffusé, sans avoir besoin de faire de recadrage ou de choses comme ça. Mes ambassadeurs qui ont apprécié cette nouveauté également, je pense à Nicolas, par exemple, qui fait beaucoup de stories ou de réels, ben maintenant, il pourra les faire directement à partir de son boîtier, les transférer sur son téléphone via notre application et dans ces cas-là, pouvoir partager de manière immédiate la story qu'il aura créée. Autre évolution que faisait pas l'OMA, moi, c'est ce que je fais, par exemple, là, je me filme avec un de mes boîtiers et en fonction de l'environnement dans lequel je travaille, pour faire mes présentations, bien sûr, je peux adapter mes optiques et travailler avec différentes optiques. Là, j'ai mis le 8-25, par exemple, mais ça m'arrive de faire des choses avec le 25-1-2 en fonction, encore une fois, de ce que je veux montrer et de l'environnement dans lequel je me trouve. Certes, on ne va pas acheter un OM1 Mark II pour avoir juste une sortie comme ça et avoir l'appareil en webcam, mais bah, il est là. Donc, c'est toujours un plus de pouvoir utiliser nos produits de manière très conviviale. Voilà l'ensemble des éléments que nous propose donc l'OM1 Mark II dans son évolution, donc avec le capteur dont je vous ai déjà parlé, le même hein, bien sûr que l'on a sur l'OM1. Maintenant, on va l'exploiter encore plus, puisque encore une fois, je pense que bah, on voit toutes les évolutions, hein, tout ça bien sûr, c'est lié à tout ce qui se trouve dans l'appareil, et on ne peut pas, je me répète, tout résoudre par une mise à jour firmware. Donc, il y a des choses qui ont été intégrées et qu'on garde encore secrètes, hein, bien sûr, et qui font l'évolution de l'OM1 Mark II avec ses gros points forts qui restent, encore une fois, la latérale, le processeur et le capteur qui est, encore une fois, hyper performant. Et on l'a vu, hein, c'est quelque chose de très agréable à ce moment-là. Donc, je vais reprendre quelques-unes de vos questions. Je vais prendre la dernière. Hop. Tout de suite, je ne sais pas ce qui est écrit. Attention Thierry, la meilleure norme IP sur le marché, le Leica à IP54. Oui, bah, au moins, vous avez un moyen de comparaison avec un Leica. Donc, si vous comparez mes produits avec du Leica, j'en suis très heureux. Et donc, je n'ai pas dit qu'on avait la meilleure protection, puisqu'il peut forcément, il y a des domaines d'activité où l'indice de protection peut être supérieur. Maintenant, je dis juste, il y a très peu de marques photo qui vous donne cette note pour que vous puissiez avoir un élément comparatif. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, effectivement, je serais très heureux de voir toutes les marques pouvoir donner ce genre d'informations. Et à ce moment-là, je pourrais dire on est les meilleurs ou on n'est pas les meilleurs. Donc déjà, je vois que le Leica a une note supérieure à la nôtre. Donc merci pour cette information. Mais j'aimerais bien le voir avec d'autres de mes confrères et ce serait super intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? L'OM1, hop là, depuis plusieurs mois, cet appareil est fantastique, je n'en ai pas fait encore le tour. Oui, bah écoutez, oui, on est encore une fois, ouais, c'est un super boîtier, merci de le confirmer. Donc, oui, on est très content. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, voilà, je sais que j'en ai certains parmi vous que je rencontre sur des événements, je pense à Montier-en-Der, Salon de la Photo, voilà, les gens qui viennent me voir sont heureux et contents de leur boîtier. Donc ça, c'est la plus belle satisfaction pour moi. Lorsqu'on fait des événements, d'avoir des gens qui viennent presque vous remercier de bah, d'avoir un super boîtier. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui permettent de, bah, voilà, d'expliquer et de montrer que nos produits sont très bons. Et j'en suis très heureux à titre personnel. On va continuer. Ça répondra aux questions que je viens de voir passer. Donc, j'ai les réponses juste après. Puisque, à croire que vous avez vu ma présentation où j'ai un mouchard chez moi, mais oui, tous les accessoires de l'OM1 vont sur l'OM1 Mark II.
Donc, c'est la même batterie, c'est le même grip, c'est les mêmes télécommandes. Donc, on est vraiment, encore une fois, en termes d'accessoires, il n'y a pas de risque. Si jamais vous avez envie de basculer de l'OM1 vers l'OM1 Mark II, l'ensemble des accessoires de votre OM1 ira sur votre OM1 Mark II. Bien sûr, l'ensemble des accessoires flash est également compatible avec, bon, je sais que je me répète, mais j'ai toujours mon chouchou, moi, avec le FL700WR et avec la possibilité de le piloter en radio avec le FCWR. Donc ça, c'est un couple que moi, j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, on a toujours le STF8 qui est quelque chose que les gens apprécient beaucoup en macro-photographie. Donc, voilà, tous ces systèmes, bien sûr, sont compatibles avec l'OM1 Mark II. Et également, en termes de compatibilité, on a toujours notre gamme de LS, donc le LSP5, qui vous permet d'avoir un kit vidéo complet au niveau du son également, puisqu'il vous suffit de sortir en sortie casque de votre enregistreur numérique et d'aller en entrée micro sur votre OM1 Mark II, et vous allez bénéficier de l'ensemble de la technologie professionnelle que l'on trouve sur la gamme des LS chez nous. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, 100% compatible et adapté. Donc, voilà rapidement les différentes évolutions de l'OM1 versus l'OM1 Mark II que l'on peut vous proposer. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, voilà. Encore une fois, on va faire des événements, on va avoir nos ambassadeurs qui vont venir prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à un moment donné, venir participer et pouvoir... effectivement, pouvoir échanger avec eux et avoir un avis autre que le mien, si vous avez envie d'avoir d'autres avis. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous et ne pas avoir que la parole de Thierry qui travaille pour OM System. C'est aussi bien d'avoir la parole de photographes qui sont sur le terrain et qui pourront échanger avec vous sur les possibilités de l'OM1 Mark II à travers son évolution. Hein. Donc, le produit propose par rapport à l'OM1 Mark II. Voilà, ce que je pouvais vous dire sur le boîtier, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre rapidement? Hop, utiliser, alors, hop, concernant les accessoires, peut-on utiliser la même poignée de l'OM1 Mark II que sur l'OM1? Oui, la réponse est oui, j'y ai répondu. Ça c'est quoi? La recharge de la batterie, ça fait toujours via un câble? Oui, via le câble, directement en ayant la batterie dans votre boîtier, ou alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans les accessoires, on peut acheter en accessoire des chargeurs externes. Donc, c'est quelque chose que l'on peut aussi proposer si jamais vous ne souhaitez pas recharger les batteries via votre appareil. Mais je pense que vous l'avez constaté aujourd'hui, hein, beaucoup d'éléments dans le monde de l'électronique, je pense aux enceintes et enfin, ou d'autres, les chargeurs ne sont plus fournis. Hein, maintenant, c'est directement via directement le... Comment dirais-je? Ah, je perds mes mots, directement suivant l'appareil que vous avez, ça se recharge en direct ou alors il faut acheter séparément un chargeur. Hop là, je continue. En focus stacking, l'appareil sort toujours un RAW et un JPEG pour chaque photo, c'est assez pénalisant. Vous pourriez très bien sélectionner que le JPEG, hein, c'est vous qui choisissez de travailler en double shooting, Laurent, mais après c'est vraiment des choix. Moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir les deux. Surtout qu'aujourd'hui, les capacités des cartes permettent de le faire, mais attention effectivement à l'editing après, de bien repérer la photo JPEG sur le stacking qui a fait le montage. Et ça, c'est quelque chose d'important également à trouver. Une question sur le focus stacking encore. Où doit-on faire la mise au point, premier plan, au milieu ou au plus loin? Alors, le stacking, je rappelle que c'est le montage dans l'appareil photo, d'accord? C'est la différence avec le bracketing qui, lui, va se faire en post-traitement. Donc, si vous avez envie d'utiliser du stacking avec un montage dans l'appareil photo, il faut savoir que votre appareil photo va faire la mise au point à un endroit. Et suivant le modèle, donc là, dans ce cas-là, vous allez avoir trois photos qui vont être prises avant votre zone de mise au point. Et on va dire les 12 images, si vous êtes sur 15, vont être prises après votre point de mise au point. Donc, attention à bien anticiper que votre appareil va faire quand même des trois images avant la zone de mise au point, Francis, que vous aurez sélectionné. Hop, je prends la dernière question.
Donc, la fonction pré-déclenchement existe-t-elle? Cela correspond-il au buffer? Alors, la fonction pré-déclenchement, chez nous, on appelle ça le mode pro-capture. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la photo de l'oiseau là, qui s'envole, c'est quelque chose que moi, j'utilise en mode pro-capture SH2. Donc, dans ces cas-là, je peux avoir un nombre d'images que je détermine moi. Dès que j'appuie à mi-course, il commence déjà à enregistrer. Donc, on pourrait aller jusqu'à 99 images possibles en mémorisation. On n'en avait que 60, je sais plus, 70, je crois, sur l'OM1. Donc là aussi, on a une belle évolution sur le mode Pro Capture, Alain. Michel, on va parler d'objectifs juste après. Ne vous inquiétez pas, j'essaye. Je suis débutant, j'ai un M9, tac, tac, tac. Photographe, conseillez-vous de consulter pour me faire familiariser. Bah, écoutez, regardez je vais y arriver encore une fois. Les présentations que vont faire mes ambassadeurs, et après vous pourriez très bien les contacter si vous avez envie d'avoir des cours ou des explications avec des gens qui utilisent parfaitement mes produits. Donc moi je ne peux que vous conseiller de travailler avec mes ambassadeurs, avec Catherine, et vous verrez que ce soit avec un OM10 Mark III ou un boîtier pro, ça vous empêchera pas de faire de superbes images. Donc n'hésitez pas encore une fois à éventuellement prendre contact après avec tout ce que mes ambassadeurs pourront vous apporter. Donc, merci François. Donc, je suis très heureux que ça vous donne envie de l'essayer. Donc, pareil, merci beaucoup Pascal. Encore une fois, oui, c'est un super boîtier, j'en suis intimement convaincu. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se voir prochainement, Pascal, sur un événement et pouvoir vous le faire tester sur les effets, sur les différents événements que l'on a de programmer, que je vous encourage à regarder hein, sur nos différents sites où on annonce nos événements. Je vais continuer la présentation donc avec justement cette nouvelle optique, que vous voyez peut-être derrière moi. Donc, on est encore une fois sur quelque chose de remarquable puisqu'on va aller chercher un nouveau sommet de puissance photographique avec ce 150-600. Ce 150-600, si jamais on fait le ratio lié à notre capteur. Donc, vous allez avoir dans les faits un 300-1200 mm dans le volume que vous voyez derrière moi. Donc, c'est remarquable d'avoir un 1200 mm à 5-6-3 d'ouverture stabilisé et qui est compatible avec nos téléconvertisseurs, ce qui vous permettrait d'aller jusqu'à un 2400 mm. Alors, là, on ne va pas se mentir, hein, 2400 mm, même à 1200 mm, attention, les photos à main levée, il va falloir faire très attention. Donc là, encore une fois, plus vous allez travailler sur la longue focale, plus il faudra être attentif et il faudra être tolérant au niveau des déchets, hein, comme toutes les longues focales. Donc attention en usage lorsqu'on commence à taper sur des focales aussi importantes. Ce qui est super intéressant, je sais qu'Eric avait une envie, Eric Leroy, de le tester. C'est la distance minimum de mise au point pour faire de la proxy photo. J'ai déjà reçu des images de Nicolas, notre nouvel ambassadeur, qui l'a testé dans ces conditions sur des fourmis. C'est juste hallucinant ce qu'il a réussi à faire avec cette optique. Donc, je vous rappelle que la conférence de Nicolas, de mémoire, ce sera le 12 février. Donc, il vous présentera ces images. Donc, moi, j'ai la chance de les avoir déjà vues. C'est juste incroyable de ce que l'on peut faire. Et voilà, je me répète, hein, on a la possibilité d'utiliser notre MC14 ou MC20. Donc, c'est un multiplicateur 1,4 ou x2 donc, que l'on peut adapter sur cette nouvelle optique. Donc là, vous voyez ici un rapport de grossissement, hein, ce que donne un 300, un 1200 et un équivalent 2400 mm en 24, un équivalent 24-36 ou si vous avez envie d'être sur l'équivalent 35 mm. Et avec, bon, bien sûr, un étendue de la plage focale, hein, je me répète, hein, avoir une plage focale dans le volume que j'ai derrière moi, on est quand même sur un équivalent 300-1200 mm sur une optique qui est vraiment, voilà, qui reste compacte par rapport à ce que ça peut proposer dans sa plage focale. Je me répète, n'oubliez pas que moi, je vois des commentaires passer depuis l'annonce de ce produit, mais on a un 1200 mm dans les mains. Je sais bien que c'est lié à notre taille de capteur, mais notre taille de capteur, elle est là. Et c'est cette taille de capteur qui nous apporte cet énorme avantage donc, dans ce volume. Donc, ça, c'est pas négligeable. Après, on a la synchronisation. Donc, c'est quelque chose, lors de la conception de cette optique, qui est obligatoire chez nous.
il faut avoir cette synchronisation au niveau de l'autofocus. Et comme ce n'est pas une optique professionnelle, c'est une optique qui va se situer dans la gamme du 100-400, dans les optiques experts, donc on a que notre gamme professionnelle où on indique l'indice de protection officiel par un organisme indépendant. Donc là, on a le même indice de protection que tous mes confrères lorsqu'ils annoncent des optiques tropicalisées. Je suis permis de mettre deux de mes images lorsque je l'ai testé, hein, toujours au même endroit. Donc voilà ce que donne cette optique. Moi, je trouve ça remarquable. On est vraiment sur une optique qui peut être une belle alternative au 150-400 de chez nous, donc en F4-5 constant. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher de la très longue focale avec une ouverture qui reste correcte. Hein, 5-6-3, c'est pas dramatique. Vous avez vu les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. À ce moment-là, j'avais pas de la lumière de partout. Hein, encore une fois, il neigeait. Donc c'était un temps très chargé. Et regardez la photo de gauche, par exemple. Bah, sans le système, encore une fois, j'insiste sur le boîtier, l'optique. Là, l'oiseau s'est posé. J'ai juste eu le temps de prendre mon appareil, puisque moi, j'ai beaucoup de raccourcis sur mon boîtier. J'ai activé la détection automatique des oiseaux. Clac, boum, j'ai la photo et j'en ai quatre. Et après, l'oiseau est parti. Donc, cette réactivité, ça, c'est mon système qui me le donne. C'est l'ensemble, c'est mon boîtier et mon optique qui me permet d'être rapide et d'avoir cette précision sans avoir rien réglé en amont. Je me suis mis en priorité ouverture et hop là, détection automatique des oiseaux est terminée. L'appareil m'a sorti cette image, donc j'en suis très content. Je vais conclure avec les mises à jour que l'on annonce d'OiShare, donc OM Image Share, donc il va être mis à jour. Et là, on voit la géolocalisation possible et qu'on peut taguer sur nos images. On aura également une mise à jour de OM Workspace qui va sortir donc en version 2.3 que vous pouvez mettre à jour également pour pouvoir optimiser l'ensemble des réglages et des possibilités qu'offre l'OMA Mark II. Au niveau tarifs, il y a des gens qui en ont déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vous donne les tarifs. Alors, c'est les prix de vente conseillés au 30 janvier 2024. Donc, les prix de vente, je vous rappelle, sont libres en France. Hein. Donc, moi, c'est les prix officiels que l'on donne. Après, chacun est libre au niveau des magasins de proposer des choses. Donc, en boîtier nu, on va être à 2 399. En kit avec le 1240 en version 2.8, ce sera à 2 999. Et le 156-105-6.3, je me répète, équivalent 300-1200 mm, sera à 2 699 €. On va également avoir une offre de lancement que je vous présente. Si jamais vous souhaitez acquérir un OM1 Mark II, je fais rarement mon commercial, mais là, je trouve ça vachement intéressant parce que si jamais le kit de l'OM1 Mark II ne vous intéresse pas avec le 1240, vous pourriez très bien, via cette offre, pouvoir l'équiper avec le 1200, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, me disent « Ouais, mais ça aurait été mieux avec le 1200. » Donc là, vous pourriez très bien le faire puisque l'offre marche aussi bien sur le boîtier nu que sur un kit. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir créer votre propre kit. Les gens qui font que de la macro, par exemple, ben, c'est la première fois que vous allez avoir une offre aussi intéressante sur le 90 macro pour pouvoir équiper un OM1 Mark II. Les gens qui veulent partir sur le kit avec le 1240 en version 2.8, ben, je trouve très intéressant d'avoir intégré, d'ailleurs, je pense qu'il y a le 40-150 en version 2.8 est également disponible avec cette offre. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, vous partez avec le 1240 et le 40-150, donc le binôme en version 2.8, et là vous avez votre équipement très très bien. Après, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas aller vers le 150-600 que je viens de vous présenter, l'offre est également possible avec le 100-400, donc il y a également une très bonne optique chez nous. Donc 100-400, ça vous fait un 200-800. Ou alors, vous avez envie d'aller chercher l'extrême, et dans ces cas-là, vous avez l'équivalent 300-1200 qui vous est proposé avec la nouveauté. Donc, je vous fais un petit rappel sur mes 5 super photographes qui vont venir vous présenter en image ce que propose l'OM1 Mark II, ce que moi, je viens de vous présenter en direct. Donc, Eric, le 1er février, Michel, le 5, Léo le 7, Nicolas le 12 et François le 19. Et pour avoir déjà vu leurs images, je me répète, ne loupez pas ces rendez-vous. Et surtout, venez échanger avec eux, ils adorent parler photos.
Donc, moi, je serai là en backup si vous avez des questions liées à la marque. Mais l'idée, c'est de vraiment parler photographie, de montrer ce que cet appareil peut faire et peut proposer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'OM1 Mark II. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. Et je vais me permettre de rebasculer hop, directement sur la possibilité de répondre éventuellement à vos questions. Voilà. Un grand merci. En tout cas, j'ai vu que vous étiez très nombreux ce soir. On est encore 204 personnes. Donc, ça fait plaisir de voir que vous êtes fidèles à la marque et que vous êtes intéressés par l'arrivée de nos nouveaux produits. Donc, encore un grand merci. Merci, Pascal. Donc, oui, reviens. Revenez voir Eric en premier. Ou venez voir Michel. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vous assure que ce soit Eric, Michel, ils ont fait des photos complètement différentes les uns des autres. Je ne leur ai pas dit encore. Je ne leur ai pas montré ce que les autres avaient fait. Donc, venez découvrir leur travail. Et je pense que vous allez être vraiment surpris de ce que ça peut réaliser. Merci, Eric, également. Sauf qu'il n'y a pas d'économie avec le 80, contrairement. Pourquoi ? Si, vous avez, hop, la... Sauf qu'il n'y a pas d'économie avec 80, contrairement à ce qui est annoncé. Si, moi, c'est l'affiche officielle qui m'a été transmise. Donc, normalement, vous aurez bien 300 € de remise sur l'offre de lancement sur le 90 mm. Donc, sauf erreur de ma part dans la communication que je vous ai mis, mais donc je m'excuse d'avance si j'ai fait cette erreur, mais je ne pense pas... Marc, je pense que le 90 est bien intégré dans l'offre. Hop, je me répète, hein, surtout n'hésitez pas à venir poser toutes vos questions sur le produit. Bah, je vois que Nicolas 78, en fait Nicolas 78, c'est Nicolas qui se cache derrière ce pseudo, donc c'est notre nouvel ambassadeur. Oui, Nico, j'ai hâte aussi que tu viennes présenter pour la première fois tes images et encore une fois, très fier de t'accueillir dans l'équipe des ambassadeurs. Différence de prix entre le 150-400 et le 600-150-600. Ok, je vais faire apparaître la question. Bah, on n'est pas du tout dans la même gamme de plage focale. Après, je comprends. Hein, moi, encore une fois, même un produit à 400 €, c'est un coût, c'est un investissement. Après, n'oubliez pas, je me répète, que vous avez un 300-1200 mm dans les mains. Là où vous avez un 200-800 dans l'autre. Donc, bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Donc, surtout, prenez, j'insiste, prenez ce qui vous correspond le mieux. Et je trouve qu'il faut... C'est super les optiques qui vont jusqu'à 1200. Après, la question, c'est j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Donc, ça, c'est vous, utilisateur, qui allez le décider. Donc, il me reste à vous remercier. Je vous donne rendez-vous avec Eric donc le 1er février. Encore un grand, grand, grand merci d'avoir été aussi nombreux pour la présentation de ce produit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que je vous ai présenté. Posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre. Et ce sera avec grand plaisir, en tout cas, qu'on se retrouve le 1er février avec Eric. Un grand merci à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures photographiques. Au revoir, passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir, ciao.